Faut que je commande un vélo. Bah, là, dans 15 jours, on va reprendre les commandes, parce que là, pour l'instant, je préfère bloquer. Des demandes de vélos si nombreuses que ce magasin dunkerquois a dû mettre en place une liste d'attente de plusieurs semaines. 7 fois plus de ventes qu'en temps normal. À peine livré, le magasin est déjà dévalisé. Ça s'est vendu, c'est vendu, c'est vendu. Ici, il me reste le petit vélo d'enfant. Et tout ça, c'est vendu. Un engouement soudain, accéléré par le déconfinement. Le petit rétro, on a installé le panier, puis la petite sonnette qui va bien. D'accord, nickel. Voilà. Parfait. Après quelques semaines d'attente, cette cliente récupère enfin son vélo. Et c'est vrai que le confinement a fait qu'on devait rester chez soi, on a pu aller se balader, c'était les marches. Le vélo, j'en avais pas, donc je pouvais pas faire de balade à vélo. Et c'est vrai que c'est aussi un nouvel état d'esprit. Pour accompagner ce boom du vélo, certaines communes ont même mis en place des aides à l'achat. De 80 à 150 euros ici à Dunkerque par exemple. On a eu 1100 demandes d'aide à l'acquisition de vélos depuis un peu plus d'un mois. C'est énorme. C'est énorme et ça se traduit dans la circulation des vélos dans la ville puisqu'on a déjà enregistré par rapport au mois de mai plus 50% en fait de cyclistes par rapport à l'année dernière. Pour l'heure, le vélo ne représente qu'1% des déplacements urbains à Dunkerque, un chiffre qui pourrait bien augmenter d'ici la fin de l'année.